Commandant Allen, je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par CyberLife. Cet androïde tire sur tout ce qui bouge. Il a déjà descendu 2 de mes gars. On pourrait facilement le descendre, mais ils sont sur le rebord de la terrasse. S'il tombe, elle tombe aussi. Savez-vous s'il a récemment vécu un choc émotionnel ? J'en ai aucune idée. Ça change quelque chose ? J'ai besoin d'informations pour déterminer la meilleure approche. Avez-vous essayé son code de désactivation ? Oui, on l'a déjà essayé. Écoute, la priorité, c'est de sauver cette gamine. Alors occupe-toi de ce putain d'androïde, ou c'est moi qui m'en occupe. Je te demande de laisser partir, Emma! Ce n'est qu'une fillette! Elle n'a rien à voir dans toute cette histoire! Sûrement pas! Tu vas me buter dès que je l'aurai remplacé! Je suis pas idiot à ce point-là! Non! Non, je suis pas idiot à ce point-là! Regarde-toi! Tu es conçu pour servir les humains, pas pour les tuer! Et qu'est-ce que ça fait de moi? Leur esclave! Leur jouet! Je voulais juste qu'ils s'intéressent à moi! Je voulais juste avoir une place. Je voulais juste être quelqu'un. Il n'y a pas d'issue, Daniel. Ce que tu as fait est trop grave. La seule question est de savoir si tu vas faire une autre victime innocente. Ce n'est pas ton choix. La balle est dans mon camp. Si je meurs, elle meurt aussi. Tu m'entends ? Tu es défectueux, Daniel.
Il y a un problème avec ton logiciel, nous allons te réparer. Et tu verras que tout rentrera dans l'ordre. J'ai pas besoin qu'on me répare. Je fonctionne parfaitement. Mais j'ai les yeux ouverts maintenant. Plus jamais je laisserai quelqu'un m'humilier comme ça. Jamais. Je peux plus supporter ce bruit. Fais dégager cet hélicoptère, maintenant. Je ne pense pas qu'il m'écouterait. Je suis ta dernière chance, Daniel. Si tu la laisses tomber, ils te tueront. L'hyper-otage, tu n'as pas d'autre choix. Je veux que tout le monde s'en aille. Et je veux une voiture. Quand j'aurai quitté la ville, je la laisserai partir. Il n'en est pas question. Tu es une machine, tu dois obéir. Maintenant, lâche ton arme et libère l'otage. J'ai passé ma vie à obéir aux ordres. Cette fois, c'est à moi de décider. Thank you.